Précédemment, dans Chain of Memories. Il veut éliminer ses concurrents. Ce qu'il gagne, tu es sûr de toi? Je me fiche de la coupe. C'est Hercule que je veux. J'ai passé un marché. Ne te mêle pas de ça. Il va gagner la coupe. Avec le numéro 3, on peut perturber ses adversaires. Ça va se faire durant la course, pas vrai? Tu fais une grosse erreur. Non, c'est toi qui fais une grosse erreur. Et c'est parti, combat contre Cloud. Il a l'air d'être parti là. Où est passé Cloud? Il se dirige vers la ligne arrivée, rattrapons-le. Oh, il nous a dupé. D'accord. C'est parti, direction la ligne arrivée. Tu as perdu, abandonne Cloud. Oh, Cloud a perdu contre Hercule. Si on continue comme ça, ça risque de mal tourner. C'est toi qui devrais t'inquiéter. On dirait que tu te fatigues. Pas de panique, je viens t'aider. Il peut t'aider tant qu'il veut. Je vais te tuer et récupérer mes souvenirs. Et bim, tes souvenirs? Allons Cloud, il ne faut pas vendre la mèche. Tu n'es pas aussi fort que tu veux bien le dire, Cloud. Et tu virais! On a passé un marché. Croyais récupérer tes souvenirs aussi facilement? Quelle naïveté! Oui, on parle d'Hadès quand même. Hein. Bim! Hé! Hey! Règle numéro 5. Il n'est jamais trop tard pour participer au tournoi. Tu es derrière tout ça depuis le début. Fais tes bagages, Hercule. J'ai gagné un voyage gratuit pour l'enfer. C'est moi qui régale. Une seconde, pète le feu! Moi je régale un combat, mon cher c'est moi qui régale, je paye la note, tu n'auras qu'à rentrer par taxi, mon cher Hadès. Bien plus petit, tu vas devoir y aller avec lui. Mon dieu, s'il sera en enfer. Et c'est parti! Règle numéro 6, il n'y a pas de règle. Et Sora versus Hadès, c'est parti! Quoi? Le tournoi est annulé? Pourquoi? Tout le monde s'est planté. On fera un match quand je serai rétabli, d'accord? Désolé d'avoir gâché ton tournoi. Et j'espère que tu retrouveras la mémoire. Parfois, un filet de taille peut te rappeler une chose oubliée depuis des années. Bim! Une carte. Merci pour la vibration. Tiens, prends ça. On va m'arrêter. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec nous? Désolé, ça ne m'intéresse pas. Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour, alors si je ne m'abuse, le 9e ou le 10e épisode de Kingdom Hearts Chain of Memories. Et donc, eh bien ça fait trop plombes que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Vous allez en avoir, mais moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis voilà. Donc bref, dans l'épisode précédent, nous avions fini le monde du Colisée de l'Olympe. Voilà, je cherchais le nom. Aussi, de ce que je me souviens, à la fin de l'épisode, enfin du dernier épisode, Sora nous faisait part du fait que il n'allait pas oublier Kairi pour la simple et bonne raison qu'il a son porte-bonheur. Et donc, comme dit Donald, ne perd pas le porte-bonheur de Kairi. Enfin, que... Ouais, bref, voilà. Hein? Ok. Kairi serait tellement contente que tu retrouves Riku et que tu le ramènes. Mais enfin bon, faudrait déjà le trouver avant de le ramener. Alors, et donc on est au 4e étage. Et donc on peut continuer enfin l'aventure depuis le temps que je n'ai pas fait des vidéos de ce jeu. Et donc, on est parti pour le Pays des Merveilles. Comme j'avais annoncé dans le dernier épisode. Hey, voilà quelqu'un! Oh, bonjour, le lapin blanc. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. En retard! En retard! Je suis vraiment en retard! L'arrêt va me transformer en civet! Ou en je ne sais quoi. Oui, on comprend rien non plus, hein. Vous inquiétez pas les gars. Si je suis en retard pour le procès, je risque de me faire prendre la tête. Oui, de me faire prendre, bien sûr. Hein. Pff, logique, après tout, de perdre la tête. Bim, rien que ça. Comment ça, perdre la tête? Oh, sapeur hippopète, je n'y arriverai jamais. Je n'y serai jamais. Mais décidément, j'arrive plus à lire. Faut que j'apprenne à lire. Hein. Faut que j'apprenne à me servir des yeux. Perdre la tête? Cet endroit n'est pas aussi paisible qu'il n'y paraît. Oui, comme tu le dis, oui. Pour ceux qui connaissent, hein, et donc bienvenue au Pays des Merveilles, Wonderland.
Par contre, depuis le dernier épisode, j'ai pas appris un seul niveau, donc ça va être mignon. On va voir comment je vais m'en sortir. Alors... Alors, je ne crois pas qu'on ait affronté ces plantes encore. Ça va être... On va voir, je le sens. Hop. Ah mais non. Mourez. Mourez, s'il vous plaît, je vous l'ordonne. Ah oui, donc on a eu Cloud dans le dernier épisode. Donc je vais pouvoir vous montrer à quel point il est cheaté, à quel point je l'aime bien. Merci. Bim. Bim. Bon, en gros... Attendez, je crois que je suis en train de me gourer, là. Zut. Oui, bah on a des nouveaux 100 coeurs, déjà, on va aller voir. Ah non, c'est plus bas. Alors, les fleurs bloquantes. Plantes sans coeur, fermement ancrées dans le sol, cette fleur peut lancer des graines tranchantes et attaquer avec ses racines. Ok. Comme elle l'affiche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Quoique, juste à faire ça. Hop. Donc si je me souviens bien, ça n'a pas bougé depuis le dernier épisode. Hop. Zut. C'est ça que je vais faire. Voilà. Donc si c'était bien Cloud. Je croyais que j'allais me bourrer. Que je m'étais gouré, pardon. Allez, bim, c'est parti. Alors il y a l'air d'avoir beaucoup de soldats ici. Ah ah. Il voyait aucun jeu de mots. Hein. Allez, attaque! On dirait qu'il va falloir des attaques plus grandes. Des cartes plus grandes, avec de plus grands points. Alors, de ce que je me souviens, les 100 coeurs trompettes, ils sont méga chiants. Ah oui, parce qu'ils attirent d'autres 100 coeurs. Ils ramènent d'autres 100 coeurs, donc... Enfin, vous direz, c'est pas si mal que ça, vu que ça nous fait plus de points d'expérience. Mais bon, c'est toujours plus cher. Non. Et je m'appelle Donald. Et je fais appel à ma magie. Magie. Magie, magie. Et vos soirées sont pleines d'envie, je crois que... Non, je dis n'importe quoi. Bref. On ira voir le journal après. Des ombres. Ah, vous n'avez pas manqué, vous. Ah bah, encore moins, vous. Tu m'as encore moins manqué, toi, le rondouillère. Bah écoute. Ah ouais, je lui ai fait aucun dégât, quoi. Et bah écoute, meurs. C'est bon. Allez. Mais non. Mais qu'est-ce que... What. Ok. Moi, n'avoir pas compris ce qui vient de se passer. Et je crois d'ailleurs qu'on va avoir bientôt un level up. Oui, dans 200 et quelques points d'expérience, ça devrait... Allez. Allez, vas-y, Dago. Mais non. Mais... Mais j'adore... J'adore le... Comment... La souris de mon PC portable. Tu es trop magique. Ok. On aura utilisé Simba. Allez, bim, 300 coeurs d'un coup, et on termine avec le génie. Je croyais qu'il allait terminer avec le génie. Bah écoutez, on va terminer avec un... Et bah pas avec... Si, avec un brasier. Non. Termine avec... Bah avec Simba. Tu... Mais qui met 3 ans à finir un combat, quoi, t'sais. Hop. C'est parti. Hop. On connaît bien, de toute façon, la technique, ici. Ah. Alors vous, je vais moins vous aimer, bizarrement. Ah, Dingo. Toi, je vais aimer. Mais sauf que c'est une carte 0, donc c'est pas terrible. J'ai envie de vous éliminer, vous, d'abord. Hop. C'est bon. Hop. Ah, bah, level up. Aïe. Y'a un Donald. Aïe. Et bah, on prend les cartes Donald. Ouh, bah tiens, c'est très bien que tu sois mis là, toi. Dingo à 3. Bah je dis pas non. Bon bah finalement sans cœur il me dit non, hein, finalement. Voilà. J'ai envie de terminer avec un... Mais j'en ai marre de cette souris de PC portable. Il va falloir que je fasse un décompte, bah, après. Bah vous savez quoi, on va terminer comme ça.
Voilà, merci. Merci Donald. Bon, vous savez quoi, pour l'instant, on va augmenter les HP. Parce que. J'ai peut-être des. Ouais, si j'ai des cartes intéressantes à mettre dans mon jeu, mais. J'estime que là, on est très bien comme ça pour l'instant. Pardon, je suis en train de mourir. Ah oui, non, j'avais oublié que ça, c'était une échelle. C'est une liane, hein. On est dans Tarzan, hein, voulez-vous. Donc. Alors, une carte. Et eh ben j'ai envie de commencer avec une carte Mog. Vu que je pense pas qu'on puisse en placer beaucoup dans ce niveau. Alors déjà on va voir si on récupère pas des HP. Moi je dis pas non. Et encore des HP. J'aimerais bien avoir des points Mog, sachant que je pense que j'en ai pas beaucoup. J'ai aucun souvenir. Ouais, j'en ai 200 quoi. Je vais pouvoir m'acheter un paquet de cartes. Même deux paquets de cartes combat et. Et un paquet. Un paquet trio. Alors bref, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais. Ouais, bah c'est pas si mal. Hein. Là, franchement, c'est pas si mal. Moi, je suis pas mécontent. Alors, eh ben, écoute, on va en vendre parce que maintenant, ça va pas me servir à. Hop, on va garder ça. Quoique, je vais garder. J'en vends une, il me sert à rien d'en avoir 30. A2 c'est nul. Une A4 ça me sert à rien. Hop, hop, voilà. Et a priori ça devrait être bon. Bah vous savez quoi, je suis pas contre acheter des cartes combat là. Alors nul, bien, ouais. Ouais ça va, ça a été. Et un truc de carte magie. Ouais, non, et... Non. En fait, là, il était nul, mon paquet. Hop. 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 Alors, c'est des cartes extra, mais je préfère les donner, parce que ça sert à rien d'en avoir... pour des petites. Hop. Et la carte génie, je vais la garder au cas où. Eh ben, écoutez, on n'est pas si mal. Et ben on y va. Et une carte à 4. On va aller voir le Carnegie Mini. J'ai envie d'aller la voir, tout simplement. Allez, une carte attaque. Donc on a hop, As de cœur, qui est la Keyblade de ce monde. Obtenu au pays des merveilles, maniable et bien équilibré. Et ben quand. Quand j'augmenterai mes PC, on verra cela. Alors, crise de être sautillant en forme de klaxon. Il est capable de sonner l'alarme pour attirer d'autres sans cœur. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, où est-ce qu'on va aller? Eh ben, je suis pas contre aller dans une terre d'amitié, moi. Allez, c'est parti. Par contre, je vais faire un truc. Parce que je trouve maintenant que... Enfin, j'avais fait ça, je crois, dans la dernière vidéo. Et j'avais bien aimé. On va mettre... des cartes. Simplement des cartes pour... pour libérer les passages. Alors, on va mettre un truc comme ça. Vu que vous savez que je ne vais pas dans ce dans ces trucs. Allez. Hop, on libère le passage ici. Ici, on ira dans... Hop, dans un coin seulement. Je ne peux pas. Ah non, dans le hall combatif. C'est plutôt ça que je voulais. Hop. Laissez passer, je libère juste le passage. Alors, on devra aller ici. Lieu assoupi. On met une carte 0. Ah bon? Bah je croyais que ça marchait. Bah finalement non. Et puis comme ça, ça nous libère le passage. On est tranquille après. Bon, bah combat. C'est parti. Voilà, je t'attendais. Mais bon, j'assomme tes copains. Ah da, 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 da. Ah bah tu tombes bien, tu tombes bien, dingo. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi mes cartes sont... Mes cartes combat sont augmentées.
C'est une bonne question, là. Pourtant, je n'ai aucune carte qui fait que mes cartes doivent être augmentées. Hein. Ah non, 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 c'est parce que je suis dans un hall combatif, c'est vrai. Mais dans le hall combatif, les cartes combat sont plus puissantes. Comme il est dit... comme il est dit dans la description de du lieu. Bref. Il le one-shot, quoi, le club de son cœur. Bref, non, c'est pas ça que je voulais faire, moi, à la base. C'était... débloquer ici. Alors... bon, encore une fois, hein, lieu assoupi. Ah non, bah non, c'est vrai que c'est... Eh ben, on ira dans un... dans une salle à trésor. Comme on y va rarement, hein. Et là, ce sera le dernier. Ok, donc faut des égal à 9. Ouais, mais sachant que je reviendrai ici, ça sert à rien. Bon, bah, quoique, je vais libérer... Ah, des points de mag. Y'a pas un truc ici? Non. Et ben, on va aller chercher le coffre tout de suite. Une carte stock. Bah, vous savez quoi, je suis pas mécontent. Même si, bah, vu que j'ai le génie, on peut me le faire à tout moment. Alors... non, je peux pas y aller. Bah écoutez, on va finir cette salle. On est parti. On est parti pour depuis le dernier combat, donc c'est parti. Ah, mais non. Mais comment le sang-cœur, il se protège avec le rondouillard, quoi. Dingo. Ouh, bien, 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 bien. Allez, double kill. Aïe. Allez, à toi, Donald. Ah oui, mais non, mais vise bien, Donald. Allez. Ah mais non, mais j'en ai marre. Et sérieusement, faut que... Hop. Voilà. Comme ça, double soin. Il faut que j'arrive à en tuer un. Aïe. Et je fais n'importe quoi, c'est épique. Allez. Il vise le bon sang-cœur aussi, Sora. J'adore Sora, lui. Il vise le sang-cœur absolument opposé à celui que je veux viser. Ok, vous savez quoi? Hop! Meurs! Non. Hop! Voilà. C'est parti. Hop! Et ben voilà, on s'en sort déjà beaucoup mieux. Merci! C'est gentil de me laisser une occasion de refaire mon paquet. Hop, aïe. Je veux mon point d'expérience. Je vais mourir, tue les dingos. Il m'a fait perdre mon point d'expérience. Merci. Hop, j'en tue une. Oh non, je l'ai pas tué. Oh là, il y a un peu beaucoup de monde là. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de faire ça. Hop, merci. Merci. Et Cloud, tu vas m'achever ce... Bon, bah, j'allais dire Cloud, mais non. Simba, tu m'achèves ou pas ce beau monde. Allez, bim. Écoutez, foudre plus sur l'ombre. Hein. Il avait pas de chance, c'est tout. Hein. Alors, on va se soigner. Voilà. Bah écoutez, moi je suis pas contre faire ceci. Hop. Ça c'est fait. Un hall combatif. Bah j'ai même pas eu le temps d'attaquer. J'attaque vite avec le rondouillard. Ah bah non, pas de rondouillard. J'ai rien dit. Ah ah, tu as pas eu le temps. C'est où il a récupéré de la vie, le monstre? Meurs, toi. Ah non, il me l'a pas tué. C'est exactement ce que je voulais faire. Bim. Comment il me l'a tué?
soupçonne de pesanteur. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Allez, j'en ai eu un. Alors toi, tu meurs avant. Personne n'est aussi... Non mais oh. Pourquoi ai-je fait ça? Hop. Aïe eux. Bah écoutez, moi, il y a bientôt du level up, hein. C'est moi, je fais pas de dégâts, là. Bah écoutez, moi, je dis... Toute puissance! Aïe. Mourrez! Ou pas. Dingo, viens là! Dingo! Ouh oui! Ouh, je vais aimer! Vas-y, Dingo, défonce-la! Merci, Dingo! Et le génie va m'achever le dernier sans cœur. C'est très fourbe, tu sais. Hein. Hop! Tu meurs digne. Lieu grouillant. Hop, ben, je crois qu'on a fini la zone. Hop, des points mog. C'est exact, on a fini la zone. Bref, on va finir les autres. On a un truc à débloquer avant. Et ben on va faire une... J'ai rien dit. Non, on va finir cette zone avant. Alors là... Ah oui, c'est... Hop, c'est la terre d'amitié. Hop. Ouais, sauf avoir une carte donnée à 0, c'est pas terrible. Tant pis pour le point d'expérience, de toute façon. On va en avoir. Hop. Une sale mug à 6. Bah, je suis pas mécontent. Hop. Ah. Tu n'appelleras pas d'autres sans cœur. Meurs. J'ai pas envie d'attaquer le rondouillard. Meurs. Oui, c'était totalement voulu ce que je voulais faire aussi, ça. Bref. Meurs. Meurs et meurs. Alors, une seule coffre. Un local apaisant. Allez. Une carte dingo. Bah tu sais quoi, je vais utiliser ceci. Oh là là, grâce à une ombre. Alors là, si on aurait cru voir ça un jour. Je veux le tuer son billard. Ah merde. Ah oui, mais j'ai même pas remarqué que j'avais pas de vie comme ça. Mourez. De toute façon, je pourrais les avoir que dans les airs. Hop, t'en meurs. On va t'avoir. Meurs. Mais c'est pas vrai. Enfin, je le tue au cloud. Oui. Oh oui, je l'ai eu. Quoi, agressif. Bah, on a un nouveau tour. Assaut fulgurant sur de nombreux ennemis. Bouton A pour effectuer jusqu'à 6 autres attaques. Ah oui, ah, Guillon. Alors ça, les gens, c'est épique, c'est génial, c'est ce qu'on pouvait, avoir de mieux. Et ben, je vais préparer un Aquillon. Hop. Oui, Aquillon. D'où? Déjà, mourrez tous autant que vous êtes. Je prépare mon Donald. Bah, après mûre réflexion, je vais utiliser mon Donald. Bim! Ah bah c'est gentil ce Donald. C'est gentil et c'était très bien parce que j'avais besoin de me soigner justement. Toi tu meurs. Même pas le temps de m'attaquer, tu meurs. Oh, un rondouillard. Bah vous savez quoi, je vais aller voir tout de suite. Et en attendant, on va aller voir aussi dans le journal.
carte magie. Ah bah oui, stop évidemment. Bloque temporairement l'adversaire. Stockage 2 cartes. Ah oui non, 2 cartes pour stop plus et stop X. Oui non. Allez, on a tout débloqué ici, n'empêche. Hein. Alors, carte lieu. Bah on a le coin agressif, je pense qu'on va y aller d'ailleurs. Attaque en premier, augmente les dégâts infligés au sang-cœur. Oh mais c'est trop bien. Malus, rondouillard. Bloque les attaques physique frontale et annule les dégâts. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, je dis oui. Alors. Vite, un nouveau level up. Je veux le rondouillard. Alors je vais éliminer eux d'abord. Parce qu'ils sont en l'air, ils m'énervent. Toi, je vise. Le système de visée dans ce jeu est bien, mais il peut être saoulant parfois. Surtout quand tu veux viser un ennemi en particulier et qu'il bouge. Tu veux jouer à ça? Prends-toi un Donald dans la face. Vous avez jamais pris de Donald dans la face? Et bah c'est que vous avez été des gentils petits bisounours. Allez, encore 5 cœurs. Normalement, on devrait avoir un rouleau. Merci. Au passage, j'adore la musique de combat de ce jeu. De ce monde, pardon. Hop. Hop, je prépare mon Donald. Et bon, on va même utiliser mon Donald maintenant. Ah bon, et sian, hein, n'est-ce pas? Dingo. C'est pareil. Alors, on en a éliminé un. Hop, génie. Oh, un stop plus. Bah oui, c'est un stop plus d'ailleurs. Bim. Ça, c'est fait. Et je crois qu'on a fini la zone. Oh, une carte potion plus. Je dis pas non, des points mog. Non. Venez. Bon, bah tant pis. Et des HP. Je suis bon niveau HP. Oh, je suis pas bon du tout, même. Genre, ça a enlevé les boules HP. Ok, merci le jeu. Hop. Et on va aller dans le coin agressif qu'on a. Le coin saumon. Est-ce qu'on a eu ça déjà, le coin saumon? Journal. Bah, faut voir que oui. Non, c'est une carte lieu. Coin assommant. Attaque premier, assomme tous les ennemis présents. Hop. On va aller dans un coin agressif, comme j'ai dit d'ailleurs. Non! Allez! Est-ce que ça va suffire? Non! Zut. Bah, je pense que ça va être la dernière salle, donc on va aller dans un point de sauvegarde. Eh ouais! Je suis comme ça. Hop. Oui, de toute façon, c'est... Voilà, c'est la dernière salle, donc... On peut laisser ça comme ceci. Alors, bah écoutez, on va... De toute façon, là, ce sera la dernière salle. Ah oui, donc... Hop. Et en carte verte, on va mettre ceci. Et donc, voilà. Bon, déjà, on va aller à la salle mog. De toute façon, ouais, voilà, c'est juste pour récupérer des HP. Là, il peut pas y avoir à nouveau 2 points. Ah, j'ai rien dit. Hop. Et ben voilà. On va voir le mug. Je regarde si je peux pas. Ah, bah, je peux récupérer des HP. Je suis pas mécontent. C'est parti. Alors. Et ben, on va prendre une carte aide. Oui, d'accord. Elle est pas mal celle-là. Alors, bon, de toute façon, là on peut que faire l'histoire principale. Donc, on va aller faire ceci. Alors, par contre, faut que je me souvienne d'où. C'est par ici et par là. Donc, on va aller rattraper le lapin blanc qui, bah, laisse faire couper la tête. Si il ne se dépêchait pas. Allons voir pourquoi. C'est parti.
Alors... Oh, mais que font donc tous ces gens ici? Hé, ça doit être le procès dont parlait le lapin blanc. Alice, comprends-tu de quoi on t'accuse? Alors Alice est accusée, hein. Pas du tout, je n'ai rien fait de mal. Ne fais pas l'innocente, si tu as une belle tête. Vous avez une belle tête, votre majesté. Oui, encore plus comme ça. Tu es accusé d'aider les sans-cœur qui menacent le royaume. Ok. De quel est l'intérêt, je ne sais pas, mais bon. Je peux me faire... J'aide les sans-cœur à faire le mal, alors qu'ils peuvent voler mon cœur à tout moment. LOL. Pardon. Non, je n'utiliserai plus ce mot jamais de ma vie. Ok. Baliverne, vous n'avez aucune... Vous n'avez pas de preuve. Ça, c'est fait. La preuve? Je l'ai oublié. La voilà, la preuve. Bravo! Bravo, votre majesté! Vous avez... Ça, c'est le truc typique du genre... Je sais que c'est pas toi, mais j'ai dit que c'est toi, alors c'est toi! Bim! C'est toi, Alice! Tu as volé mes souvenirs! Ok, Alice est accusée d'aider les sans-cœur et de voler les souvenirs. Oui, normal. On ne débarrassera le royaume des sans-cœur que lorsque sa majesté aura retrouvé la mémoire. C'est un crime très grave, dont tu n'as pas de preuve aussi, le lapin blanc. C'est injuste. Je m'en fiche que vous soyez reine. Bim. Ce n'est pas ma faute si vous ne vous rappelez de rien. Si vous vous rappelez rien, oui. Quelle insolence. N'oublie pas que tu parles à la reine de cœur. Oui. Rappelle-toi que tu parles à une reine qui a comme soldat des cartes. Je t'aurais libéré si tu t'étais excusé, petite effrontée. Oui, bien sûr, on y croit tous, hein. C'est elle, l'effrontée. Bim, Sora. Sora. Je crois même que c'était pareil dans Kingdom Hearts 1, mais bon. La cour a rendu son verdict. La sentence sur la mort. Et bim, attendez. Ce procès est ridicule. Vous devriez enquêter avant d'accuser des innocents. Oui, je suis d'accord avec toi, Sora, mais bon. Comment? Tu insinues que ce n'est pas Alice qui m'a volé mes souvenirs? Je suppose que tu connais le vrai coupable. Moi, je... parle ou la sentence d'Alice sera exécutée. De toute manière, même si... Je vous rappelle qu'on est dans un jeu tout public, donc si vous devinez qu'elle sera pas exécutée, de toute façon... Hein, c'est même pas un spoil, là, t'es... Alors, qui est le voleur? Réflexion. C'est moi! Bim! Que dis-tu? C'est vrai? Putain! Et Dingo qui sort ça comme ça? Bien sûr que non! Mais qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Cartes! Saisissez-les! Allez, bim! Allons affronter les cartes! Alors. Alors, j'aime bien ce combat. C'est un peu original. Ils devraient faire ça quand même dans. Oui, oui, c'est vrai, on n'avait pas rencontré la reine avant de faire ce combat. Mais ça aurait été intéressant. J'adore quand ils sont battus, ça fait une boîte de cartes. Allez! Ok, bon, vous mourrez. Un coup de glacier. Bon, un coup de feu. Normalement, tu mets du feu. Oh, je l'ai assommé. J'ai assommé le garde avec, avec un sang brasier. Allez, le trio. Bim. Vas-y. Bim. Bim. Oh, tranquille. Bim. Là, j'utilise tous mes amis sur sur les cartes. C'est drôle. On va se soigner. Pendant que la carte ne m'attaque absolument pas. Hein, c'est... Elle attend que j'ai fini. C'est quand même drôle. Enfin, il attend vu que c'est un garde. Oh non! Oh, ce troll! Ok, on va génie. Ok, moi, Simba termine ce combat. Merci! Oh, et en plus, j'ai un soldat. Une carte soldat. Bon, ça c'est fait. Bon, il n'y a plus Alice. Ouf. Hé, où est Alice? Elles sont enfuies, on dirait. Dans Kingdom Hearts 1, Alice était accusée de, d'avoir volé le cœur de la reine. Si vous en souvenez. Là, elle est accusée de voler les souvenirs, quand même. De toute façon, dans ce jeu, tout sera basé sur les souvenirs. Hein. Faut se dire. Elle. Peut-être, mais pas vous.
C'est ça peut-être le moment de s'enfuir, non? J'ai comme l'impression qu'on s'est fait avoir. Courez! Allez, bim! La fuite! On est des lâches, après tout. Hein. Bon! Clé conseillère. Pourquoi on atterrit dans la salle mog? Je sais pas, mais on réatterrit dans la salle mog. Bref. On a une nouvelle carte malus. Hop. Carte soldat. Améliore la vitesse de frappe carte. De frappe carte attaque. Je vois pas trop l'intérêt de ça, mais bon. On sait jamais si je veux un jour les utiliser. Alors, direction le coin de la clé conseillère, qui est ici, je crois d'ailleurs. Hop. Donc là, Alice a pris la poudre de scampette. On est accusé parce que Sora a eu la brillante idée d'aller s'accuser lui-même. Et donc on a tous les soldats à nos trousses. C'est cool. Donc là on fuit. Et bien. Donc on retrouve Alice. C'était de la folie là-bas. Mais au moins tu es saine et sauve. Mais enfin bon, c'est un peu toi qui a provoqué ça, hein, Sora, j'ai envie de dire. Hein. Je ne veux pas avoir l'air ingrate, mais c'est vrai ce que tu as dit, c'est toi le voleur. Mais bon sang, mais tout le monde est idiot. Je pensais qu'il y avait que Dingo qui était débile, mais bon, je rigole Dingo, hein, mais bon, c'est débile quand même de croire que c'est Sora le voleur, quoi. C'est... Quoi? Mais non, pourquoi aurais-je volé les souvenirs de la reine? Sora a dit ça parce qu'il voulait te sauver. Faire le malin. Merci Donald. Merci. Ah bon? En tout cas, tu m'as sauvé la vie. Oui, c'est ce que voulait dire Dingo, mais bon. Merci Sora. Bonjour le chat. Le chat du Bref, je sais pas comment ça se prononce. Vous pourrez me taper dessus pour ça, mais bon. Non, je déconne, évidemment. Comment allez-vous après cette course folle? Vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Oui, ça, on avait deviné, hein, tous. La reine est obsédée par la loi. Enfin, par sa loi, j'ai envie de dire, plutôt. Elle ne vous oubliera pas tant qu'elle n'aura pas retrouvé la mémoire. C'était drôle. Elle va vous pourchasser. A-t-elle oublié, car elle se souvient? Se souvient-elle d'avoir oublié? Tiens, on dirait un petit peu l'organisation qui parle. Aucune importance. Je ne sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de la croiser. Oui, je pense aussi. Enfin bon, même si on arrive à battre ses soldats, mais c'est pas grave. Pour nous, c'est facile, Sora. Mais pour Alice, si les reines la rattrapent, elle perdra la... Enfin, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, il faut faire quelque chose à propos de la reine. En effet. Mais ce n'est... Mais ce quelque chose, c'est rien. Hein? On n'a pas compris non plus. Si tu te souviens pas d'une chose, c'est comme si ce n'était pas arrivé. Tu ne peux pas non plus te souvenir de quelque chose qui n'est pas arrivé. Oui, c'est pas faux. C'est logique, tu me diras. Si tu essaies à tout prix de te souvenir d'un événement, ta mémoire pourrait te tromper. Oui, c'est un peu ce que disait... C'est un peu ce que... Enfin, c'est une version dérivée de ce que disait Evie, je crois. Sora a dit un truc, mais j'ai pas vu, en fait. J'ai cliqué trop vite. Je t'en dirai pas plus. À toi de comprendre. Ok. Et la clé verdict. Ah ouais, mais il m'a rendu quand même au début. Hein. Là, je suis retourné carrément au début de la map. C'est épique. Alors. Hop. Allure. Par là. Et c'est ici. Donc je me rappelle, il y aura normalement... Et non, c'est pas du tout ici, mais c'est pas grave. Comment ça se fait, j'ai pas... Merci. Je fais n'importe quoi. Ah non, j'avais des points mug. En tout cas, c'est par là. Ah, il y a le point de sauvegarde. Bah écoute, on va l'utiliser.
On a pris deux niveaux, c'est pas mal. Hop, c'est... C'est parti. J'allais hésiter, mais c'est... attendez. Non. Je sais pas, c'était au cas où. C'est parti. Hop. Donc... Oh, pourquoi on a changé de décor? Visitons les lieux. Oui. C'est bon, et disait pour tout le monde. Hein. J'adore comment il reste fixe, quoi. Il dit, Alice, visitons les lieux. Ne bougeons surtout pas. Oh non. Bonjour. Vous croyez en avoir fini avec moi? Oh oh. Vous avez perdu la partie, mal appris. Ah ah. C'est nul. Pour avoir volé mes souvenirs, je vous condamne à... Je vous condamne. Un problème, marraine. Oh, que se passe-t-il? Où suis-je? Hein? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Dites alors, je ne m'en souviens plus. On a encore volé ses souvenirs. Qu'est-ce qu'elle a? On lui a peut-être encore volé sa mémoire. Attention, Sora, quelque chose vient par ici. Comment je le sais? Je ne sais pas. Bref, c'est parti. Le boss du niveau. C'est donc ça qui a volé les souvenirs de la reine. C'est parti, nouveau boss. Alors... Ça m'a l'air un peu plus chaud vu qu'il a utilisé... Bon, Sora, est-ce que tu pourrais viser correctement? D'un coup. Hop, déjà ça c'est pas mal. Allez. Oui. Sauf que je vais pas t'utiliser maintenant, toi. Je vais t'utiliser quand j'en aurai la stricte utilité. Ok. Faut que je vise de loin. Ok, non, pas comme ça. Aïe. Hop. Donc là, j'ai absolument aucune idée de combien de vie il est. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est bien, génie. Ah, mais non, mais j'aimerais me soigner, si c'est pas trop te demander. Hop. Donc, on va pas utiliser la carte malus tout de suite. C'est parti. Oh, mais... Je pensais que ça allait l'assommer, moi. Ah non, on pourra utiliser carte magie. Carte magie. J'ai dit carte magie. C'est bien, au moins ça ne bouge pas, ça. Donald. Ouh, j'ai eu du bol. Cette carte. Je me soigne. On fait apparaître des cartes magie. Eh, j'aime bien. Ok, on est toujours trop loin avec Cloud. Il m'en faudrait plus des cartes Cloud, en fait. Ça m'arrangerait bien. Allez. Non. Ok, c'est pas grave. Aïe. Ok. On va utiliser Donald. Parce que... Bah je croyais que Donald savait viser, mais finalement non. Allez. Ah. Ok. Malus. Alors. Allez! Mais en plus, je sais pas du tout viser avec Sora. Il y a une sorte de 2D3. Enfin, 2D3D, non. C'est un décor en 2D complètement, mais. J'ai du mal à viser avec Sora parce qu'il y a une autre partie du décor. Enfin bref, je m'exprime très mal.
Enfin bon, ne l'utilise pas quand je suis très loin de toi. Est-ce que je peux pas... Ouais, c'est pas ça que je voulais faire, c'était dingo. Ah, je crois que j'avais plusieurs cartes dingo. Mais si vous savez quoi, j'ai gardé des cartes dingo. C'était très débile de ma part de faire ça, mais bon. Aïe. Ok, ce n'est absolument pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'avais oublié que j'avais des cartes dingo de réserver déjà. Alors. Génie. Oui, non, ça sert à rien les cartes stop pour les boss. Et donc là. Allez, là c'est le dernier tour. Oui. Et bim. Bam. Hop, maître des tours. Bon, on a battu le boss. Ça, c'est fait. Vous là, vous tous. Que signifie tout ceci? D'où sortez ce sans-cœur? Comment est-ce qu'on pourrait le savoir? C'est vrai. Vous refusez de répondre, vous cachez quelque chose. Il complote contre moi, arrêtez-les! S'il vous plaît, Majesté, attendez! C'est vous qui nous avez ordonné de détruire les sans-cœurs. Allez hop! Hein? Votre Majesté, dans sa grande sagesse, se méfiait de nous au départ. Nous avons donc combattu ce sans-cœur sur ses ordres pour prouver notre bonne foi. N'est-ce pas, Sora? Oui. Comment se servir des mémoires de la mémoire de la reine? Je veux dire, oui, bien sûr, votre majesté. Je vous ai dit de faire ça? Oui. Comment? Votre majesté ne s'en souvient pas? Ne sois pas ridicule, je n'oublie jamais rien. Bien sûr que je vous ai donné cet ordre. Allez, Sora, vous avez été formidable. Merci, votre majesté. Comment se servir de la mémoire de la reine? C'est épique. Merci, Alice. Eh bien, on a eu chaud. Bien joué, je n'aurais jamais pensé à ça. Personnellement, moi non plus, mais bon. Le chat de Cheshire... je vais l'appeler comme ça. Le chat de Cheshire l'avait dit. Si tu essaies de trouver... Si tu essaies à tout prix de te souvenir de quelque chose, ta mémoire peut te tromper. Oui, enfin bon. Je pense pas qu'il parlait de ça au début. Quoique, avec le chat, on ne sait jamais. Encore une fois, je n'ai pas lu, mais bon. Je ne suis sûr d'une chose... Non, d'une chose qui n'a pas eu lieu. Elle s'est dupée elle-même. Bref. Bah, dis plutôt que tu l'as dupé, mais bon. Qu'y a-t-il, Sora? Rien. Je crois que tu ne risques plus rien maintenant. Et cette traîne nous ennuiera. Nous ennuiera plus. Sachant qu'on va partir du monde dingo, ça sera plutôt pour Alice de dire ça. Après tout, on s'est débarrassé du sang-cœur comme elle avait ordonné. Enfin, quand même, quoi. Ne me dis pas que tu y as cru toi aussi, mais c'est pas possible. Si c'est le cas, vraiment, dingo, tu es débile. Décidément, la dingo, il n'est plus dans mon estime. Dingo, tu n'existes plus. Y a pas de point de sauvegarde? Ah si. Hop. On va sauvegarder. On va continuer l'histoire principale. Je sais pas du tout à combien de temps on est de vidéo, là. Allure. De qui me suis souvenu tout à l'heure? Ce n'était pas Kairi. De qui me suis-je souvenu tout à l'heure? Y avait-il quelqu'un d'autre? Comment s'appelait-elle déjà? Je sais, c'était... Alors Sora... Sora se souvient de quelqu'un d'autre, mais... Sora, secoue-toi! Que quoi? Allez, avance! Tu veux trouver Eru et le roi, pas vrai? Ben oui! Ok, donc Sora... Zut, je l'avais sur le bout de la langue. Donc Sora se souvient de quelqu'un en plus de Kairi. Et de Riku, hein, faut pas déconner. À quoi penses-tu, Sora? On dirait que tu es ailleurs. En avant, on doit retrouver le roi et Riku. Bonjour. Bonjour toi. Donc on sait toujours pas qui c'est. Enfin, je crois qu'on sait toujours pas qui c'est. Hop, on avance. Ça y est, je m'en souviens. Enfin, je me souviens. Ok.
Il y avait une autre fille. Quoi? Où ça? Ok, là j'abandonne Dingo, tu es complètement peiné. Non, je veux dire sur l'île où je vivais. En plus de Kairi et Riko, il y avait une autre fille avec laquelle j'étais ami. On jouait tout le temps ensemble, tous les quatre. Ok. Donc Sora se souvient de quelqu'un d'autre. Ça alors, je crois que c'est la première fois que tu parles d'elle, oui. Oui, j'ai tout oublié d'elle. Je crois qu'elle est partie quand j'étais petit. Étrange. Pourquoi tu y penses que maintenant? Je ne sais pas trop. Mais ça me revient par bribes depuis qu'on est dans ce manoir. Comment s'appelait-elle? Ah bah... je ne sais plus. Je me sens bête. On dit qu'on n'oubliera jamais nos amis. Et je me rappelle même pas de son nom. Sora... sois patient. Il faut continuer. Tu t'en souviendras... comme tu t'es souvenu du reste. Tu as sans doute raison. En fait, c'est drôle à quel point Dingo, il peut dire des trucs débiles, mais des trucs complètement logiques et intelligents. Merci Dingo. Bref. Une autre amie, hein. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé avant? Parce qu'il s'en souvenait plus, Donald. C'est à Donald d'être débile maintenant. Quelque chose devrait t'aider à te souvenir du nom de ton ami. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. Et bah oui, parce que... bah oui, parce que je sais même pas combien de temps ça fait qu'on filme. J'adore cette phrase, hein, je vais la dire à chaque fois. Bref, en attendant, et ben on est déjà au pilier numéro 5. Et si je ne m'abuse, il nous reste deux mondes avant la moitié du jeu. Donc on va sauvegarder déjà. Hop, dans la prochaine vidéo. Hop, dans la prochaine vidéo, on ira voir Monstro. On sera dans Monstro, hein. De toute façon vous connaissez. Et puis la ville d'Halloween. Et donc bah écoutez... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a paru un peu courte. Je crois qu'on n'a pas dépassé les 1 heure. Ou alors on a dépassé les 1 heure, mais de pas loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Un petit j'aime si vous avez envie, si vous avez aimé, si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner si, pareil, vous avez envie de suivre nos vidéos, tout ça. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de Cuba, c'est très important. Et pourquoi pas aller sur le Twitter. Bref, en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens, et à la prochaine. Et n'oubliez pas, vous êtes géniaux. J'avais envie de sortir ça. Parce que c'est le cas, vous êtes géniaux, vous êtes un public chaleureux. Bref, ciao.